Bien oui, BST du CGT, bienvenue sur Terre éternelle du Conseil Galactique Temporel. Toujours en cette fin de ciel, mon mardi 27. Demain va être une journée très très importante pour le réveil des esprits. Donc le lundi, c'était en là, on s'accorde. Le mardi, on commence à se poser des questions. Super le cantalou sur le président en boîte, là, Macron, je sais pas. Macro X, c'est quoi? Le président sans filtre. Ça, c'est pour rigoler. Après, j'étais sur l'île de Pâques. Ça explique pas mal de choses pour celui qui cherche à comprendre. C'était pas mal l'île de Pâques. Voilà. Pour dire chef d'état d'âme, putain, c'est déjà demain. 6 mois, 48 ans sur Terre, plus 6 mois de chef d'état d'âme. Enfin bref. C'était pas pour dire ça. Comment vous pouvez laisser faire les mecs qui bombardent tout le monde, putain? Massacrer les gosses au gaz toxique qui s'estouffent et tout. Mais vous êtes bien des ordures, hein? Et qui a vendu les armes? Et qu'est-ce que vous faites? Mon 13e commandement, c'était tu ne vendras pas d'armes à ton prochain. Non, c'était mon 11e. J'en ai deux à rajouter. Peut-être pas le faire ce soir. Les mois. Les Mogwai sur Terre. Bien sûr qu'on est sur la planète des singes. La force du pouvoir, ça a toujours été de la merde. Tout est bâti sur de la barbarie. Allez piller, allez violer. C'est ce que vous faites en temps de guerre. Vous n'en avez pas honte, vous n'en avez pas marre. D'être des fossoyeurs du pouvoir presque. Morceaux de collabos tous. Oh. Qui ne dit mot consent. Alors vous consentez tous. Là, je te dis que je veux mon mai 68, 50 ans plus tard, mais un vrai. Un planétaire. Tu vois. Non, tu vois pas. Ben, faudra bien que tu voyes. Il faudra bien que tu comprennes. Il faut changer d'air et d'air. Bienvenue sur Men in Black 18, il faut réveiller le facteur. Là, ce n'est pas le facteur chance. Nous sommes tous dépositaires d'une parcelle. Les rois mages, il n'y avait pas besoin de GPS. Dans le temps, il n'y avait pas besoin de GPS. Il y avait de l'esprit. Seulement, ils vous débranchent l'esprit. Par la guerre, ils enlèvent l'esprit des peuples. Par les médias, ils enlèvent l'esprit de famille. Et par les putains de cachetons de merde, ils enlèvent l'esprit individuel. Les benzodiazépines, tous les machins comme ça, les antidépresseurs, c'est de la merde. D'ailleurs, j'ai une nouvelle addictologie. Je suis addict au centre d'addictologie, vraiment. D'accord, autre chose. Ce qu'il faut bien comprendre, tous ceux qui se défoncent la gueule, qui boivent, qui fument, qui disent tout ce que tu veux. C'est parce qu'ils sont en souffrance de l'âme. Ils n'acceptent pas d'être dirigés par des fils de pute, en gros. Avec leur costard-cravate, là, tu crois qu'ils ramassent des mégots par terre ou qu'ils sont gênés pour acheter un litre de vin à 2,50 €? Non, non, c'est foie gras partout, ziatch, coke, tout ce que tu veux. Hein. Mange bien. Tous au RSA. Allez hop. Puis c'est pas besoin de faire des guerres. Il n'y a qu'à les mettre sur un ring tous. Ils se démerdent entre eux. Pas besoin de tuer les peuples pour des petits trous du cul sur pattes péteux et vaniteux comme c'est pas possible. Hein, Macro? Toi, je te signale le Fabius qu'il n'y a pas de prescription. Ni toi, ni tes gosses. Quant à l'héritage à Johnny, qu'est-ce qu'on a à foutre? Vaudou, Vaudor, je suis la raison de mes couilles. D'accord? Le diable est passé de bonne heure. Et mon âme n'est plus à vendre. Ah, j'aimais bien quand j'étais petit. Ça faisait impressionnant. Mais quand t'es grand et que t'es musicien, tu les connais les 7 notes de l'octave. Tu les connais les 7 jours de la semaine. Tu les connais les 7 couleurs de l'arc-en-ciel.
quand tu es de retour du futur en noosphère, de la noosphère, tu te demandes pourquoi on te fait descendre sur Terre. C'est bien pour quelque chose. Si je suis déjà mort techniquement 14 fois, normalement, c'est du 4-1, c'est le 13e nombre premier. C'est pour ça que j'aime bien la trilogie de quintessence. Devant l'entrée, devant les vitres. Parce que 4 moins 1, ben ça fait 3. 4 plus 1, ça fait 5. Ça fait le 35. Au mieux, il y a l'épicerie. Derrière, c'est l'abreuvoir. Il faut boire la source de la vie. Le Seigneur a dit, buvez, c'est mon sang. Et juste à côté de l'épicerie, il y a le 37. C'est chez Tata l'Oracle. Quand tu te mets pile au milieu, t'as la stéréo. Tu vois? 35 c'est à gauche, 37 c'est à droite, quand tu es de face. Et ben, plus 1, plus 2. Ça n'a pas l'air simple à expliquer comme ça, moi je le vois très bien. C'est parce que c'est pas à gauche, c'est pas à droite, c'est tout droit. C'est des trucs quantiques, même moi j'y comprends rien des fois, mais c'est pas grave. Dans l'espace et le temps, à travers l'espace-temps. Et puis d'abord, le Seigneur, il faut pas le craindre, il faut l'aimer. C'est celui qui fait battre ton cœur. À chaque fois qu'il se passe quelque chose de bien, tu faut dire merci, Seigneur. Maître de l'espace et du temps, à travers l'espace-temps, dans ton espace-temps. Chacun est un espace-temps. L'homme sur Terre, il doit être un agent de maintenance de planète. S'il n'y a pas de riches, il n'y aura pas de pauvres et il n'y a pas de voleurs. C'est pas compliqué, hein? Et si on ne vend pas d'armes, il n'y aurait pas de guerre. Qui c'est les enculés qui vendent les armes à des sous-développés pour qu'ils se tuent tous? Il y a bien une volonté de nuire. Et puis d'abord, avec tout ce qu'on gaspille en France et partout, on pourrait nourrir toute la planète. Maintenant, on préfère irradier le tiers-monde à Areva. 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 Hein, on enterre les grues, l'uranium, hop, et puis comme ça les gosses ils jouent au manioc avec 90% ou 70% de plus que toléré en France. Vous arrêtez de me prendre pour un con. Tout ça pour dire que c'était un super ciel, mon mari. Demain, mercredi, on passe en dos. Ça me gratte le dos, ça me gratte le bios. Dans la biosphère aussi, tu sais. La bioéthique. Moi, ça me gêne, l'éthique. Carrément. Vous me faites chier, en fait. C'est quoi ce monde de merde? D'un paradis, vous avez fait un enfer? Mais vous êtes taré ou quoi? Pense qu'à ton petit chiotte, ton petit pognon, ben moi, j'y suis sur mon petit chiotte. C'est tout crado, c'est tout pourri, et je rends mon rapport de combustion à la Terre. Que même le docteur, quand j'ai dit la vie est une combustion, il m'a dit non, c'est une oxydation. Ben, je préfère m'oxyder un peu trop vite que si j'ai pas ma révolte. Je vais me faire mon AVC peinard ou mon arrêt cardiaque et comme ça, je verrai plus la misère sur Terre. Déjà, bientôt, j'y vois plus rien. Tu vois? Allez, je vais essayer de le transmettre par téléportation. Spatio-temporel. J'avais un truc à dire aussi. Quand tu tapes 37 boulevard de Riquier, tu me vois en train de boire ma bière. Donc, c'est pas en direct les satellites. C'est tous les mecs qui prennent les photos d'abord. On te fait croire que. Mais vous faites que de la merde. Chaque nouvelle application qui sort, c'est une application en moins dans la tête. C'est la numérisation de l'âme, l'avilissement général programmé. Rentre-toi bien ça dans le crâne. Ta vie ne tient qu'à un fil téléphérique. Ça, c'est dans l'alpha et l'oméga, Astérix et Obélix. Tu es au point A, tu meurs au point B. En fait, ça crée l'oscilloscope de la vie, les deux intersections. Mais le problème, c'est que tu peux l'avoir en horizontal. C'est quand tu regardes par le travers. T'es trois toits, t'as à gauche, au milieu et à droite. Mais en fait, faut toujours aller tout droit. À gauche, c'est de la merde, à droite, c'est de la merde. À gauche, c'est bien parce que, on va dire, si j'avais pas pris tout le pognon, le socialisme, c'était un petit
petit peu plus évolué que le communiste, s'ils n'avaient pas pris le pognon, comme ça. Par contre, le capitaliste, c'est vraiment pour les fils de pute. Le capitalisme, tu vois. C'est vraiment les gens qui savent pas pourquoi ils sont vivants. Leur dieu est argent, donc c'est le diable. Pas compliqué. Voilà. C'est un envoyé spatial porté éternel. Un bon cognac que j'ai pas. De retour du futur. Le futur qui vous explique à présent qu'est-ce qui va se passer. Parce que même, tout marche à l'envers sur cette planète, même le temps, si tu veux savoir. Car aujourd'hui n'est que l'hier et n'est que l'hier de demain. Mais seulement, il faut vouloir réfléchir. Les réponses ne sont pas à la télé. Pour trouver l'esprit d'un peuple, l'esprit de famille et son esprit individuel. On devrait être des agents de maintenance de planète. Tu comprends? Premier coup, ils ont cloué l'esprit à 33 ans. Bon, de nos jours, on ne cloue plus. On ne brûle plus pour hérésie. On ne guillotine plus. On n'électrocute plus. On te met sous cacheton quand t'es pas aux normes. Alors ça aussi, je peux en parler parce que j'étais gamin. Ça, quand ça a commencé, les normes de la CE, ça c'est pour l'industrialisation, pour la mondialisation. Tous les petits paysans qui faisaient leur fromage de chèvre qui était excellent. Ah bah il fallait tout carreler, ah bah il fallait faire ci, ah bah il fallait faire ça. Du coup, personne ne fait plus rien. C'est que des usines où ils mettent ce qu'ils veulent dans la bouffe. Donc c'est un programme de fils de pute. Il n'y a pas d'âme dans votre programme. Tu comprends? Il y a plein de scientifiques, c'est bien parce qu'ils disent pas de gros mots. Mais moi j'appelle un chat une chatte. Un chat un chat, une chatte une chatte, une chatte. Et un trou du cul, puis c'est tout. Voilà. Envoyé spatial porté éternel. Du coup, je m'en torche le cul et je m'en bats les couilles. Tu vois? Je suis désolé, je suis pas très poétique. Mais il n'y a que la vérité qui blesse. Pace et salut, Inch'Allah, amen.